treuil, c'est un outil qui permet de travailler le sol dans des endroits escarpés, de relier un moteur et une charrue, un peu à l'image d'un tiers-lieu qui va créer du lien et des synergies entre des consommateurs et des paysans. Le treuil devient un outil au service des initiatives du territoire et de ses habitants. Notre tiers-lieu est dédié à la transition agricole, alimentaire et environnementale. Il permet de coopérer, de réfléchir ensemble, de mutualiser des moyens et aussi de se former. Il accueille, sensibilise et informe le grand public et les décideurs pour accompagner la transition de notre territoire. Il y a un gros enjeu à trouver des nouveaux paysans avec des nouvelles façons de travailler qui respectent l'agriculture et le territoire et qui puissent fournir une alimentation de qualité. L'intérêt du treuil, c'est de mettre en lien ces paysans qui sont en transmission avec des porteurs de projets en installation et aussi des consommateurs pour qu'ensemble le projet se construise. On est une dizaine de salariés à travailler ici et c'est vraiment un cadre assez incroyable pour accueillir des porteurs de projets agricoles, pour organiser des formations, des événements. Et surtout, ça crée plein de brassages, des temps très conviviaux, des repas ou d'autres moments qu'on partage et qui sont très propices aussi aux dynamiques collectives. C'est aussi le but du réseau. Et donc, on croit que ça va encore augmenter dans les années à venir. Donc on est là en tant que bénévole, on vient aider les Amis du Treuil à rénover la bâtisse. Tatoujuste connaît bien les Amis du Treuil par le salon. C'est complètement dans l'esprit de Tatoujuste et donc on est là pour les aider. Le Treuil offrira des espaces de travail et de coworking pour des groupes et des porteurs de projets. Des espaces de rencontre pour des publics différents, sans oublier les enfants et les jeunes. Un espace événementiel, du matériel partagé. Mais le Treuil, c'est aussi une rénovation qui se veut exemplaire en matière écologique. Pour nous, c'est un lieu qui permet de faire découvrir l'agriculture paysanne aux jeunes et de faire réfléchir autour de l'alimentation et des modes de consommation. C'est un lieu où l'association elle va pouvoir tenir des permanences et faire du lien avec les structures paysannes. Et puis, c'est un lieu qui est créateur de liens et qui permet d'accueillir différents publics. Aujourd'hui, le projet s'est concrétisé et a pris de l'ampleur grâce à la mobilisation de l'épargne privée et du temps de bénévolat. Pour aller plus loin, ce tiers-lieu a aujourd'hui besoin du financement d'un poste salarié. Il s'agit de travailler à l'articulation entre les différents acteurs. Le Treuil aurait sans doute besoin d'un peu d'huile dans ses rouages.